Bienvenue à Gégé Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers scorpions. On va regarder c'est quoi l'énergie générale en amour pour nos scorpions dans la première moitié du mois d'avril 2024. S'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale, donc il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde, ça ne résonne pas avec vous. Vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Alors, l'énergie en amour pour nos chers scorpions dans la première moitié du mois d'avril 2024. L'énergie en amour pour nos scorpions. Beaucoup de cartes, ça. L'énergie en amour pour le mois d'avril pour nos scorpions. Ah mais non, scorpion. L'énergie générale de la lecture, c'est le 3 de coupe à l'envers. Cher scorpion, là, vous avez une offre formidable qui s'en vient, qui est venue vers vous dans un passé récent. Puis là, c'est comme, ah, je ne suis pas sûre que c'est ça que je veux. C'est trop, là. C'est pas sûr que c'est ça que je veux. Tout le monde veut l'amour, mais là, toi, t'hésites. Alors là, on voit dans le moment présent, tu sais, vous êtes bien, là, dans votre décision de vous demander si c'est vraiment ça que vous voulez, tu sais. Peut-être que la personne qui vous offre cette coupe, peut-être qu'elle n'a pas tous les attributs que vous désirez, mais c'est une personne, tu sais, que vous voyez quand même le potentiel avec la carte de l'étoile, tu sais. Mais bon, c'est comme pas certain. Puis on le voit dans le futur proche, là. On est à deux droits que vous causiez un désastre, dans le sens que c'est vous qui causez que cette personne-là, que c'est vous qui serez la source que cette connexion-là ne grandit pas. OK? C'est ça le terme que je voulais sortir. Alors là, très cher scorpion, je ne sais pas pourquoi vous hésitez, mais vous avez vos raisons. Si vos raisons, c'est que vous doutez des sentiments de cette personne-là qui s'offre à vous, qui s'est présentée à vous, bon, on va clarifier parce que c'est ça qui va faire en sorte que cette carte-là pourrait se retourner à l'endroit et que, bien que les choses, celles-là, elles disparaissent au fait. C'est ça qu'on veut. Parce qu'on ne veut pas que vous soyez l'architecte de votre propre malheur ici, très cher scorpion. Donc, on va explorer la situation. Ben, je dis ça. C'est trop de m'avancer de dire que vous serez l'architecte de vos propres malheurs. Parce que si on prend en considération les énergies qui s'en viennent actuellement, c'est-à-dire la nouvelle lune et l'éclipse, techniquement, là, les décisions qu'on prend, si on suit notre intuition et notre cœur, ça va nous offrir des nouvelles opportunités, des nouveaux départs dans la vie qui vont nous aider à grandir, qui vont nous donner le style de vie qu'on a toujours voulu. Alors, peut-être que votre doute, il est fondé aussi, très cher scorpion, là. Vous êtes seul maître de votre destin, donc la décision finale vous revient. Qu'est-ce que je vais faire ici, aujourd'hui, très cher scorpion, pour ne pas vous brouiller? Je vais juste essayer de vous donner l'intention de la personne qui s'est présentée à vous avec sa coupe, mais que vous n'êtes pas trop certain si vous voulez prendre cet engagement-là. D'accord? Alors, si vous êtes en connexion, cher scorpion, avec un bélier, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? OK. Même si le bélier n'exprime pas totalement ses sentiments, les sentiments sont présents. C'est juste que c'est quelqu'un qui est réservé. OK? Pour lui, actuellement, là, même si ça n'a pas de l'air, ses gardes sont baissés. Puis, il voudrait essayer d'avoir quelque chose de positif avec vous. Donc,
Tout va dépendre de vous ici, très cher scorpion. Si vous acceptez la coupe, la personne risque de s'ouvrir ici, là, si c'est un bélier. OK? Mais pour l'instant, il est fermé, il n'exprime pas grand-chose parce que vous ne lui avez pas ouvert la porte. OK? Si vous êtes en connexion avec un taureau, cher scorpion, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un taureau. Taureau, là, il est revenu dans votre vie avec l'espoir, OK? Puis vous lui avez comme crashé ça, genre. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez une connexion dans le passé, le taureau. Et puis comme en revenant, le fait que vous avez comme un peu refusé l'offre qu'il vous a fait ou qu'elle vous a fait, ben là, il ne sait plus où mettre la tête, là. Fait que là, tranquillement, pas vite, ses intentions, ça va être de se retirer de la situation. Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux dans cette situation, cher scorpion, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un Gémeaux. Ah, le Gémeaux, même si il ne dit rien, il n'a pas fait de déclaration, mais qu'il se présente à vous avec, lorsqu'il s'est présenté à vous, son intention, c'est une union. Ok, il veut vraiment, c'est comme une union qui va aller quelque part avec vous. Ça, c'est l'intention du Gémeaux. Si vous êtes en connexion avec un Cancer dans cette situation, quelles sont ses intentions envers vous? Quels sont ses sentiments envers vous, le Cancer? Ouais. Les intentions ne sont pas trop claires, ne sont pas positives, pardon, par rapport au Cancer. Il va avoir une discussion par rapport au fait que vous n'êtes pas intéressé, mais il ne va pas forcer les choses là. Si vous ne voulez pas aller de l'avant avec lui ou elle, elle va faire son chemin. OK? Si vous êtes en connexion avec un lion, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Le lion ici, là, il y va avec la raison. Okay? Il tente de venir vers vous parce que c'était une situation qui fonctionnait dans le passé. Donc, il s'est dit, pourquoi pas y retourner et voir comment on pourrait faire évoluer les choses. Toutefois, l'avenir possible avec le lion est quand même... comment je pourrais dire? Il y a un obstacle. C'est le fait que, ici, notre lion, il n'est pas très mature. Donc, c'est ça qui risque d'être peut-être problématique dans cette union. Puis, je pense que c'est peut-être ça aussi qui vous ralentit dans votre prise de décision par rapport à cette connexion. OK? Si vous êtes en connexion ici avec une vierge ou un vierge, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Bon. Que je me rappelle. Ici. Ouais. Ici, là, la Vierge, c'est la fin. La fin, oui. On dirait qu'il est... Qu'est-ce que je vois ici? Il n'a pas de sentiment. C'est comme... il vient vers vous. Pour quelle raison? Parce qu'on dirait qu'il n'a pas d'autre potentiel en vue. Fait qu'il s'est dit, why not revenir dans la vie de venir dans la vie de notre cher scorpion et de voir qu'est-ce qui est possible. Pas de sentiment ici. C'est vraiment plate, hein? Donc, faire attention un peu ici à la Vierge.
Si on est en connexion avec une balance ici, mes chers scorpions, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Quand même, ok, la balance, ok, elle voit clair maintenant dans la situation, donc qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, et elle veut plus se laisser, elle veut plus laisser ses pensées l'envahir et faire en sorte qu'elle n'obtient pas ce qu'elle désire dans la vie. Alors, ce qui la freinait dans le passé, c'est peut-être qu'elle avait un comportement toxique, soit que, bon, elle fréquentait peut-être plusieurs personnes, ou qu'elle avait une addiction. Elle était dépendante, je sais pas, ça pouvait être un problème de toxicomanie, un problème d'alcoolisme. Tu sais, il y avait quelque chose qui faisait en sorte que cette personne-là, vous aviez des doutes à vouloir être avec elle. Mais là, je pense qu'elle commence à s'en sortir ou qu'elle s'en est sortie avec le 8 d'épée qui est à l'envers. Et c'est pour ça qu'elle se présente à vous pour essayer d'avoir une nouvelle chance. Ça doit être aussi pour ça que vous vous freinez à accepter une reconnexion avec cette personne-là. Peut-être que vous avez peur de tomber dans le même cauchemar que dans le passé. OK. Si vous êtes en connexion ici avec un autre scorpion, cher scorpion, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions? Oups! Quelles sont ses intentions par rapport à vous? OK. Il veut une nouvelle chance, le scorpion. Il vous voit un peu comme son wish fulfillment, comme le souhait qu'il aurait toujours voulu avoir, la personne qu'il aurait toujours voulu avoir. Vous la rendez heureuse. Et là, pour l'instant, toutefois, il ne saute pas aveuglément dans cette relation-là. C'est quelque chose qu'il a réfléchi, qu'il ou elle a pris le temps de réfléchir. C'est pour ça qu'elle se présente à vous, le scorpion. Si vous êtes en connexion ici avec un sagittaire, sœur scorpion, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un sagittaire. Le sagittaire veut explorer avec vous vos différentes facettes. Elle vous aime pour plusieurs raisons. T'sais, elle vous aime pour ce que vous accomplissez dans la vie, la gentillesse que vous démontrez. Elle vous voit vraiment comme un individu ou une personne complète. Donc, elle aimerait prendre le temps, son intention, c'est d'apprendre à vous connaître et le temps, prendre le temps de développer ce qui peut être développé dans cette connexion. Puis, sur ce, si c'est quelqu'un de votre passé qui revient, elle sera ouverte aussi à avoir un peu de counseling pour pouvoir améliorer la situation. OK? Si vous êtes en connexion ici, mes chers scorpions, avec un capricorne, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Elle aussi, c'est un retour. Donc, ça, c'est une personne qui revient dans votre vie. On parle ici du capricorne. Donc, il revient parce qu'il a la difficulté à vous laisser aller. Il veut tenter d'investir dans cette relation-là. Donc, si vous lui donnez une chance, c'est quelqu'un qui va essayer de bâtir quelque chose avec vous. D'accord? Si vous êtes en connexion ici avec un Verseau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un Verseau. Oh, bon Verseau, il fait tout le temps ça. Verseau, il est dans sa tête. Il y va de façon logique, il se présente à vous. Puis il se dit comme ça ici que il va essayer d'aller à l'encontre du destin. C'est-à-dire, même s'il est intéressé, même si l'opportunité s'est présentée à lui, il est tellement pris dans sa tête, OK, que il ne va pas suivre le courant de la vie, puis il ne va pas écouter son intuition, puis son cœur, puis aller vers vous. Alors ici, il va falloir que si l'offre est faite par un Verseau, et que vous finissez par vous décider que c'est la personne avec qui vous voulez être, il va falloir lui donner une petite pousse là, OK? Parce que là, il est pris dans sa tête un peu. Toutes ses intentions sont bonnes. C'est juste qu'il est pris dans sa tête. Un vrai signe d'air. OK?
si vous êtes en connexion avec un poisson, mes chers scorpions. Quels sont ses sentiments envers vous? Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Ouf! Bon, j'espère que l'autre est mieux. Ben oui. Bon, le poisson, là, je ne peux pas dire laisser tomber. Mais bon, il n'est pas là pour les bonnes raisons. Si vous aviez des doutes, c'est tout à fait normal. Habituellement, le prince de bâton, là, j'y vais pas par 3-4 chemins. C'est le coureur des jupons des 4. OK? Donc, très passionné, mais souvent rentre et ressort aussi vite qu'il est parti. Puis en plus, avec l'impératrice à l'envers, j'ai vraiment l'impression que c'est pas quelqu'un qui est balancé, puis qui vient pour nurture, pour nourrir cette relation, la faire grandir et avoir une opportunité de couple à long terme. Donc, sur ce, moi, je prendrais... vos doutes, là, c'est bon. C'est très bien. D'accord? Cette décision-là serait bien de peut-être passer à côté de celui-là. Donc, on va voir ici. Un petit message de l'univers pour vous guider dans votre prise de décision. Mais je pense que en faisant le tirage de cette façon-là, savoir quel signe qui se présente à vous, ça clarifie souvent le doute qu'on a. Mais bon, c'est pour les deux premières semaines du mois d'avril, donc il y a plein d'énergie qui peuvent faire fluctuer les choses, puis faire en sorte que votre décision, elle change. Petite guidance pour les scorpions. On me dit prendre la deuxième carte. Oh, c'est le temps. Puis avec le full moon in scorpion, c'est pour ça qu'on m'a dit prendre la deuxième carte. It's time to release negativity. Alors, toutes les pensées négatives que vous aviez par rapport à cette connexion-là, laissez-les aller. Focussez sur le positif. Qu'est-ce que cette personne-là peut vous amener de bien dans la vie? Puis souvent, peut-être qu'en faisant la liste, elle va dépasser toute la négativité que vous aviez, le regard négatif, là, tous les éléments négatifs que vous aviez par rapport à cette personne-là. Sur ce, j'espère que cette lecture elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des lectures de façon mensuelle. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, laissez-moi des commentaires. Ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à améliorer la chaîne. Alors, je vous dis merci. Merci de me donner une chance et au revoir.